Coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. Voilà. Ben voilà, on est parti. On retrouve notre petite famille Rainbow. Ah, j'ai oublié d'enlever le truc. Cul-cul YouTube. Cul-cul YouTube. Et salut Banner, comment tu vas? T'arrives pile au bon moment quand on commence. Donc, j'avais oublié de relooker les jumelles, mais c'est chose faite maintenant. Oh, mais il a repris du poids. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On les a relookés juste avant le live. Donc vous pourrez voir leurs petites bouilles Coucou d'amour YouTube. quand elles seront levées. Voilà, et dans le chat, ils vous disent bonjour. Mais vous avez le chat maintenant à côté. J'ai vu qu'une seule personne qui n'aimait pas trop avoir le chat. Et c'est un test Agent et... 21, cucu, coucou YouTube, agent 21, boule. D'accord. Il s'est passé quoi? Ah oui, cucu, d'accord. Bah, ça va, Banner. C'est déjà l'heure de se lever, de se laver. Je croyais qu'elle allait faire une connerie, mais en fait, non. Et Prunette, elle grandit quand? Oh putain, on a le temps, dans 9 jours. J'avais tellement bavé avec ces Cul-cul les bambins. poteaux à la compote de la rediff. J'avais tellement bavé avec les bambins que j'ai l'impression que le temps s'est éternisé, que donc elle allait devenir adolescente aujourd'hui. Mais non. Mais non, mais non. D'ailleurs, t'as fait tes devoirs ou pas? Ah ouais. Bah écoute, tu vas jouer avec émotion. Hein, directement par terre comme ça, comme une pauvresse que tu es. Est-ce que j'ai pas beaucoup de son? Ouais, je vais remettre du son. Dites-moi si vous le son ça va bien pour aussi le. Pour vous, le jeu. J'avais oublié mon beat. Alors, la voici, la voilà, la petite Lavanda. Elle a pas fait de devoirs. Elle va à l'école? Bon, alors tu vas. Non. Bon, tu vas aller à la salle de bain en bas s'il Cucu faut. la rediff, visage avec des larmes de joie, 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 visage avec des larmes de joie. Y en a, elles ont envie de se faire taper dessus aujourd'hui, hein? Je suis désolée. I am very sorry. Oui, tu. Oh bah merde, elle aussi, elle est pas dans un bon état. Oh la vache. Bah tu vas. Voilà. Au pire, t'auras faim, mais Lila, mais. Donc Lila, c'est la brunette. Elle a des jolies couettes. Des tresses. Ça rimait plus avec couette qu'avec tresses. What? Mon jeu. Mon. Oh bah. Ouais. Dis donc, c'est Jésus. Et elle a marché au-dessus de l'escalier. Elle... Magique. Oh, ça va être bien, les gamins, ils vont Allez-y, aller à l'école. bannissez-moi. Ouais, un petit ban pour Tatou. Tatou Camon. Cool, tu vas te faire des amis, il faut que tu trouves un mec pour que tu. Mais non, on lui avait pas trouvé son mec. Je sais plus. Christophe, ouais, c'est ça. C'est Christophe, on allait la caser avec Christophe. Voilà, on avait trouvé ça la semaine dernière, je me souviens. C'est mieux de se souvenir un peu de ce qu'on fait. Mais tu vas pas au cours, toi? Alors, il y a une des jumelles qui va en cours et pas l'autre. Qu'est-ce que t'arrives, toi? Ah si! Mais attendez, c'est du gras ou c'est des... Son bras, il est tout désarticulé, regardez-moi ça! Ah, ça fait peur! Oh la vache! Qu'est-ce qui t'arrive, Adonis, là? Ça va plus? Oh la vache, il est tout foutu. Il est tout foutu, mais je crois qu'il a une envie de pisser sévère, effectivement. T'inquiète pas, tu vas y aller. Tu vas y aller. Regarde, regarde, regarde. Vas-y, vas-y. Va faire caca. Il t'ira te prendre une douche. Tu vas y arriver. Donc bon, Lavande va aller en cours. Mais pas Lila. Qu'est-ce qu'il a, mon jeu, à ramer comme pas deux, là? Prune a rencontré Jeanne. Adonis, il est cassé. C'est ça. Et donc les petites, voilà, leur petit relooking. Bon, il y a un peu plus de bleu là, mais ça reste un mauve quand même bleuté. Non mais c'est bon, fais pas la vaisselle, va en cours. Pour la tête, j'adore. Elle voulait dire bénissez-moi. Ouais, c'est ça. C'est cassé, cette tronche. Je rame un peu aussi du cul, en ce moment c'est insupportable. Après, j'ai oublié d'enlever les CC, donc il y a plein de CC qui sont dedans. Comme je vous avais dit, hein. Mais c'est pas Quentin, ça? Ah non, pardon, c'est pas Quentin. Il ressemblait.
Que ça rame un petit peu. Oui, quoi? Eh, hey, oh, calme, calme, calme. Allez. Mais c'est bon. Elle y va à l'école, là. Elle y va. C'est bon, elle est partie. Tu vas te faire des amis. Fais voir comment t'es. Tu peux te mettre en... Juste comme ça. Juste comme ça. Non, ça va. Ben, la semaine dernière, il était pas aussi baraque, quand même. Je sais que les abdos étaient apparus, mais il n'était pas épais. Là, il est devenu pépé. Donc, du coup, Lila va rester à la baraque. Elle a fêté son anniversaire, genre 5 minutes après sa sœur, mais je ne vois pas. L'autre, il se balade. Il se balade en calbute. Tu vas nettoyer, tiens, tu vas m'aider à nettoyer. Il n'est pas en vessie, est-il nul? Il est pas en V? Bah ça va, moi-même moi ça je prends, hein. Pas cracher, hein. Le mien aussi c'est l'enfer. Ah ouais? Mais bon, c'est parce que j'ai pas enlevé les CC et que j'ai beaucoup de CC là, je pense que c'est ça. Allez, arrête de bouffer, tu dois aller bosser. Toi, Mini, non mais Mini, tu crois qu'on a que ça à foutre de notre vie? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas jouer? Ah ouais. Lila, c'est comme si elle était née, sa sœur était née le 31 décembre et elle était née le 1er janvier. C'est pas la même année, donc elles vont pas à l'école en même temps. Putain, mais par contre, ils ont tous un sale état, hein. C'est quoi ce délire là? Mince, non, chanter sous la douche plutôt. C'est un peu tristoun. Qu'est-ce qui se passe? Vous puez tous, vous êtes tous en sale état. Bon, alors, faut bien qu'on s'intéresse un peu. Oh, mais ça devrait être une petite. Ah, elle travaille pas. C'est pas grave. Tu vas. Alors, son champ est augmenté. On est toujours au niveau 8. L'éducation, niveau 6. Va falloir qu'on bosse là-dessus. Fitness, niveau 9. Ok. Donc, tu vas les manger. Vu qu'elle travaille pas, on va faire focus sur Nuage, évidemment. On va lui faire travailler un peu. Ouais. Ah, ouais, d'accord. Un élevage d'assiettes. Et on a un gâteau qui traînait là, j'avais pas fait attention. Et puis il faudrait que j'enlève ça quand même, parce que c'est plus Noël, hein. J'avais envie de qu'on voit nos anciens. Voilà, ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont chauds, oui, ils sentent le chamallow. Alors, courrier était distribué, les factures de 6 000 simflouz, ok. Tu veux éduquer ta gosse? Ah bah, tu vas éduquer ta gosse. Tu vas. Éducation. Inciter à mettre la table. Pauvre gamine. Ah ouais, mais elle est restée là, il fallait pas. Hein. Inciter à faire pipi. Et là, la gamine, elle fait OK! Et elle se pisse dessus. N'importe quoi. Bordeaux et Pulco, agent 21, boule visage romantique plus petit que 3. Ouais, c'est le plus beau. Vous avez vraiment pas de tatou? Bah non. Je ne pense pas. Non, il est pas hanté non plus. N'importe quoi. Alors, quand on veut, on peut. Adonis a impressionné son patron avec sa capacité à s'adapter rapidement et à fournir un travail impeccable. J'allais dire inacceptable, n'importe quoi. Ce dernier lui fait tellement confiance qu'il lui a confié une tâche bien plus complexe que celle prévue dans son contrat. N'ayant qu'une compréhension très limitée de cette tâche, Adonis doit-il essayer de l'effectuer tout seul ou demander de l'aide? Bon, moi je serais pour demander de l'aide. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Ça me rappelle le début du Legacy, l'élevage d'assiettes. Dans le Legacy, c'était pire, hein? Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais c'est bon, maintenant ils ont une belle baraque dans le Legacy. Vous rappelez pour YouTube, si vous ne venez pas sur les lives Twitch, en fait, j'ai commencé un Legacy. Tout simplement sur Twitch. Voilà. On me bannira jamais. Nia. Tu veux test, tatou? Alors, vous venez tous pour demander de l'aide, je trouve ça logique aussi. Adonis a posé les questions nécessaires, mais n'a pas bien écouté les instructions et explications de ses supérieurs. Mais il est un peu con, en fait. Le travail terminé comportait des erreurs et le patron d'Adonis a décidé de demander à un autre ingénieur, merci Nuage pour le P, de les corriger. Son patron le sera probablement moins enclin à lui confier des tâches importantes. Zut. D'ailleurs, tu vas travailler dur. T'as parlé à ta fille, toi? Bon, bah, va faire du sport, t'as raison. De toute façon, il faut atteindre le niveau 10, donc.
Et l'aspiration, voilà, bah, de toute façon, tient seulement au niveau 10 de fitness qu'il faudra choper. Allez, hop, un petit peu d'éducation. Alors, c'est l'article honneur, bien sûr. Alors, on va contrôle des émotions, résolution de conflit. Voilà. Contrôle des émotions, elle peut le faire avec ses jouets, et quand elle sera ado, je les enverrai courir au moins une bonne vingtaine de fois. D'ailleurs, tu vas faire tes devoirs et tu joueras avec émotion après. Oh, par contre, la vente, elle fait des rencontres, hein, s'il te plaît. Elle est nouvelle à l'école, elle fait sensation, hein. Tous les garçons, ils s'intéressent à elle. On est bien. Alors. Ouais, ça va être long. Gameplay incroyable, ne me remerciez pas. Mini, arrête de nous harceler, ce sera sympa. Alors, là, on sait aussi Florent et la femme de ménage est partie. Nous sommes à 19%. Venez dans Legacy sur Twitch, on rigole bien. Oui, alors attends, même si vous n'avez pas suivi le début. Ouais, surtout qu'on a déjà quasiment une génération de fêtes, quoi. On a déjà réussi une carrière, tout va bien, quoi. En peu de temps. Qu'est-ce que tu vas faire à ta fille? Ah oui, tu vas l'aider à faire ses devoirs. Ça, c'est bon pour l'éducation. Ah bah, elle a fini. Ça sert bien à quelque chose, tiens. Ça sert à rien, Nuage. Tu t'as servi à rien, là, ta fille. Tu vas remanger? Elle a même pas tiré la chasse. Prune est rentrée à la maison avec un projet scolaire. Lavande est rentrée à la maison avec un projet scolaire. Youpi youpa! C'est merveilleux. Il pleut pas, donc vous allez faire ça dehors. Bon, bah, tu vas épicer avant. C'était pas contente. Projet scolaire. Et puis, tu feras soigneusement. Mais. Ah oui, tirer la chasse parce que maman, elle ne l'a pas fait. Et toi aussi, t'as le même programme que ta sœur. Et bah, toi, tu vas commencer maintenant. Voilà. Mon nuage, tu te dépêches? Putain, le focus, il dure pas longtemps. J'aimerais bien que t'atteignes aujourd'hui le niveau 10 de sport, en fait. Hein, de fitness. On n'en parle plus après. Elle est tellement gaulée, cette Sims. Regardez-moi ça, quoi. Elle est fine. Pouah, ça fait rêver. Ça fait rêver. J'aimerais être cette Sims. Sans devoir courir comme ça, mais j'aimerais. Le boulet. Salut Manu. Tu vas prendre qui pour la prochaine génération? Ah, bah ça. C'est à voir comment on va décider de l'élection de l'héritière. Parce qu'en général, je fais voter, c'est mes abonnés en fait qui choisissent, donc soit je fais voter classique, voilà, je les mets en 3 en vote, et puis bah la majorité, voilà. Sinon, bah, la génération rouge, ça a été décidé, parce que les abonnés étaient d'accord à faire une baston entre les deux enfants. Ils se sont bastonnés. Oui. Ensuite, bah, l'enfant était unique, donc il n'y a pas eu d'élection à faire. Puis, pour la génération grise, nous avons eu 3 filles et ça a été un vote. En fait, les abonnés ont voté pour qu'on fasse une compétition sportive pour élire l'héritière. Elle a de la chance, Nuage. Visage avec des larmes de joie. C'est ça. Donc, du coup, ben, on ne sait pas encore comment on va élire la prochaine. Peut-être un vote classique parce que ça, on l'a pas fait vraiment encore dans notre souveraine. Bon, arrête, va t'occuper de tes fesses en fait. Tu vas, va manger, va pisser, s'il te plaît. Allez, oh, t'as changé de nom de famille, c'est vrai. Ça s'appelle Sono. Je préférais Rainbow, mais bon, nos filles s'appellent Rainbow, hein, donc c'est bon. Ça va perpétrer. On est qu'à 25%. Au moins un petit tiers là pour aujourd'hui. C'est intéressant comme gameplay. Hein. Le vote pour le Legacy samedi. Je sais pas, je vous tiens, je sais pas encore. Sûrement ce week-end, mais comme je ne vais pas live ni lundi ni mardi, je ferai peut-être 2 lives ce week-end. Donc ce sera soit samedi, soit dimanche. Je verrai bien. Bah oui, je sais que tu. C'est pour que tu t'es pas là, je crois que tu. Mais t'es pas là que le samedi ou dimanche aussi? Je sais plus. Voilà! Elle a fait un tiers, donc ça va. Maintenant, je la laisse faire. Si elle a envie. Oh! Elle a aidé sa sœur jumelle! Non, tu vas aider ta sœur jumelle.
Vas-y, tu vas aider pour le projet? Rends-toi utile, Lila, quand même. Elle, on s'en fout, Prune, elle sera pas élue, de toute façon. Bah, j'espère pas. Alors, Marie, parce qu'en fait, c'est le 2 juin. Et le 2 juin, je vais avoir... c'est la sortie de la mise à jour. Et je vais avoir écologie à ce moment-là, je pense. Donc, ben, je vais travailler sur mes vidéos. Donc, c'est pour ça. Allez, tu vas aider pour le projet. Donc, en fait, je vais pas laver mardi parce que je serai sur les vidéos écologie. Et mercredi, une fois que l'embargo sera levé, on fera un petit live, je pense, construction. Ah, ça m'a éclaté les oreilles! Wesh! Merci Mélanie P pour l'abonnement YouTube, merci beaucoup. Les deux, mais samedi, on fait l'anniversaire de Sia Papa. Ouais, bah peut-être, peut-être dimanche, je sais pas. Pas de soucis, Marie. Je préviendrai, de toute façon, c'est Nana. Oui, Lille, Lavande a réussi son projet scolaire. Vas-y, regarde le projet. Il est pas... Ah, il est pas excellent. Hein. Oh, tu mettras dans l'inventaire. Oh, et Prune est responsable. C'est magnifique. Elle est contente que son papa, il est rentré. Bah, toi, tu peux t'occuper de toi. Si tu veux, tu peux aider pour le projet aussi. Ah bah non, c'est bon, elle a terminé. Mais regarde comment il est baraque, Adonis. C'est un truc de fou. Voir le projet. Bonne aussi, c'est pas excellent, hein, ça se voit. De toute façon, c'est le truc en bois, dégueulasse. Bon bah, tu peux aller manger, pisser, tout ça. Hein, faites votre vie. Hein. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, non, c'était mettre dans l'inventaire que je voulais. Pendant que maman, elle est en train de courser, là. La tête. C'est comme ça que je me réveille le matin. En moins jolie, évidemment. Évidemment. Tu veux faire quoi, toi? Tempête à la température. Ah oui, tu vas demander ça à ta mère qui est en train de courir. Elle aime bien sa maman, hein, Lila. Elle l'aime beaucoup. Si à papa et Gémeaux. Ah mon dieu, oh mon dieu. Oh mon dieu. Et salut Bigimi, comment tu vas? C'était le 22, on a fait un clip. Ouais, c'est trop mignon. C'est trop mimi les jumelles, je trouve. Mais bien sûr, elles ont des très beaux yeux. On dirait moi quand j'ai une famille relou au bout du fils à le pad. Au bout du fils. Au bout du fils. Pas de la fille, hein. Et qu'est-ce qu'elle veut? Chanter en duo au karaoké. Ouais, mais carrément. Je sais pas. Rentre à la maison, n'emmerde pas ta mère, en fait, tu vois. Je sais pas. Viens là, par exemple, et joue. Joue avec émotion, voilà. Ils sont partis où? Toilette. Manger. Papa. Papa, tu... Papa. Papa. Papa, il... Ah, il a pas encore mangé. Parce qu'il vous faudra que... Ah bah voilà, elle a fini. Et tu feras... Fabriquer des quoi? Des motivateurs de fêtes expérimentales. Mais putain, ça je l'ai pas vu avec Matisse. Je l'ai pas vu. Ah mais c'est peut-être parce qu'il y a la carrière. Ah Bichette, tu vas te prendre un petit bain. On est lundi, il n'y a pas la soirée Netflix. Tu vas prendre... Non, pas un bain de boue, c'est salissant. Un bain de mousse. Pour te relaxer. Et alors, on est monté jusqu'à combien, là? Oh, et où? Fitness. 45. On est presque à 9,5. Oh, punaise. C'est pas moi, hein. Les jumps, c'est pas moi. Ah, tu t'ennuies, mon chou. C'est pas grave, vous allez chanter après en duo. Il est en jouleur. Petite nuage se décompresse. Et les gosses... Ah, tu peux jouer aussi si tu veux. Jouer avec émotion. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Non, tu vas pas emmerder ton père. Tu vas venir là. Et tu vas jouer avec émotion ici. Allez, hop. J'aime bien les téléportations des Sims. Oh mince, j'ai pas fait exprès. Elles jouent toutes les deux, les jumelles, avec leur chat. D'accord, ça a fait sauter. Pourquoi? On ne sait pas. Ça fait sauter. J'adore. Je suis fan. Elle, au moins, elle est restée dans son bain.
sais pas pourquoi des fois ça réinitialise ce que tu es en train de faire. Non mais c'est fil sans eux, Marie, c'est F-I-L, simplement. Les devoirs sont à faire. Ouais, mais elles ont eu un projet scolaire, donc ça passe. Il n'y a pas besoin, en fait. Quand ils font le projet scolaire, ça passe. Wikaboo. Dans les 22h, elles vont aller se coucher. Cocoli. Hey, tout le monde au lit. Mande de gosses. C'est fait joli avec un E à la fin. Oui, mais... Voilà. La musique de King Croc dans la tête. King Croc. En plus, je la trouve ouf. Moi, la musique, elle est trop bien. King Croc. Ça manque. Qu'est-ce que tu... Mais viens. Il a fini ? Bah, il va finir. Tu vas chanter toute seule, alors, en attendant. Courir jusqu'à Palmito, la Palmino, je sais pas quoi. Tu vas faire ça. On va couper la musique là parce que sinon on va pas avoir la musique. Vous savez que j'aime bien chanter avec les Sims. C'est sûr, il y a des choses dont nous ne sommes pas encore au courant. Ah, voilà. Attends. Elle chante bien. Oh, il va aller regarder sa femme. Oh, c'est trop choupi. Oh, on a encore une random à la porte. Oh. Bon, t'es un peu loin, par contre. Hein. J'ai eu des meilleures vues, moi, en concert, hein, déjà. Alors, en fait, je voulais pas trop en montrer parce que sinon. Trop en dire pour trop en montrer en gros sur la mise à jour parce que, bah. Par rapport aux images, ceux qui voulaient pas être trop spoil par rapport à écologie, je n'ai pas parlé. Mais il va y avoir un off the grid amélioré. Un hors réseau. Du coup, donc. Et aussi parce que dans écologie, ça va beaucoup avoir d'importance. Donc, ouais, il va y avoir ça aussi. Jean-Pierre. Quel amour mon Adonis. Ah, ça me fait plaisir. Bon, pour l'instant il chante pas. Ah, ça y est. Attendez. Parce que je sais, je coupe en plein milieu, mais c'est pour faire la photo. Regardez comme ils sont mignons tout plein. Oui, il sait pas chanter, hein, mais... Oh, mon Dieu, il chante mal. Zarboub. Bravo! Vedette débutante! Oh purée! Du coup, elle est vedette débutante grâce à ce duo avec son amoureux. Bon, bah, tu peux aller manger, toi. Et puis, toi, bah, ouais, va manger aussi. Bon, il est minuit et demi. Les gamines sont au lit, donc ça, c'est bien. Oh, c'est tellement le repos maintenant, je vais être zen. Oh. Le petit P. Elle se met à beaucoup péter, j'ai l'impression, ces derniers temps. C'était pas trop le cas avant. Tu peux manger? Je t'ai demandé, ma cocotte. Hein, voilà. Puis tu vas parler, tu vas le flatter, puis tu vas parler de sport. Voilà. Parce que comme ça, il lui faut augmenter, hein. C'est pour ça que je fais ça. Parce que dès qu'ils font une interaction, même pour parler de sport ou de logique ou machin, ça fait augmenter leur niveau. Ah, qu'est-ce qu'elle fout debout, Lila? Non, mais tu te fous de la gueule de qui, toi? Dis donc, tu vas être couché, ouais. Wesh. Saleté. Hop, dormir. Je suis sûre qu'elle a dû faire une sieste au lieu de dormir, et du coup, bah voilà. Laisse tes parents tranquilles, ils sont en amoureux, là. Franchement. Qu'est-ce que ça le gosse?
exprimer ton admiration. Nibs, Taringa. Flows it. Oh, Afflin. Ina. Voilà. Faire une enquête sur un produit, je sais pas, j'ai même pas regardé ce qu'il devait faire. Ouais. Bricolage. Ouais, après on s'en fiche, hein, c'est pas très très. Ah, il est censé avoir sa promo quand même. Mais bon, on n'est pas du tout monté au niveau de ses compétences, donc. Voilà. Ah, il est pas content, ça pue. Sinon, ça va, mon chéri? La journée s'est bien passée, tout ça? Ou pas? Tu sais parler d'autre chose? Hein? Tu vas frimer en montrant tes muscles, tiens. T'en as plus que lui. Un petit baiser aussi, tant qu'à faire, pour montrer qu'ils sont quand même amoureux, toujours. D'accord, mais si t'as rien, je veux pas être spoil ni spoil les autres, je voulais juste savoir si on nous... Après, dans ma vidéo, j'ai pas montré les échelles, mais ça, c'était déjà une info qui avait déjà été connue, donc... Oh. Hey, tout en... voilà, il est tout excité maintenant. Tu peux m'enlever ça, s'il te plaît, parce que ça pue. Ouais, fais pas le tout. Vas-y, non, vas-y, fais pas le ménage. Parce qu'en fait, il va tout enlever et la femme de ménage elle va venir pour rien. Donc, je vais juste enlever ça. Voilà. Voilà. Voilà! Il est tout content, il est tout. Voilà, ils sont tout excités là. Enfin, lui plus qu'elle, hein, mais. Draguer en racontant une blague. Ah! Voilà, ça y est, elle a fini de manger. Tu vas rediscuter vite fait de statistiques sportives. Il est trop mignon. Il paraît que je suis hein. Et puis vous allez il est quelle heure? 2h du mat? Ouais non, ils vont juste dormir, il est tard. Quoique non, allez hop, tant pis, ils vont niquer. Et puis un petit coup, histoire de remonter. Bah lui c'est le divertissement. Donc elle ça va. Mais lui non. Ça pue le caca d'oie sur la table du couple. Un petit peu. Alors attendez. Ok, Elisa, pas de soucis. Ouais, oui, bien sûr, ça va toujours. Heureusement. Voilà, des fois, ça... Hein, bon, vous avez... Voilà, il y a des jours où... Quand t'es excédé du bordel... Vous savez, les voisins, ils ont refait le bordel aujourd'hui. Hein, ils ont redéménagé des trucs. Hein, je les ai vus descendre un frigo. Donc ça fait tout le bruit qui va avec. Bref. La semaine de merde. Alors, attends. Sianana... Qu'est-ce que t'as dit? Off the grid, c'est le hors réseau. Oui, parce que ouais, c'est pas pour me la péter, hein, c'est juste parce que comme c'était un live tout en anglais, tu t'es obligé de te mettre en mode anglais, compréhension de tout l'anglais. Même des fois de mes notes, je les ai écrites en anglais parce que j'avais pas le temps de faire la trad. Mais je sais que je sais ce que ça veut dire, tu vois. Mais sinon, j'en ai fait. J'ai deux trois pages de notes pendant le live qu'ils nous avaient fait, donc. Une petite journée de fête, tranquillou bilou. Bon, lui, par contre, j'espère qu'il aura le temps de... Bon, il va devoir pisser. Et... Ah, bah non, les filles se lèvent. En même temps, tout ensemble, ouais! Ouais! Alors, toi, tu vas aller là, tu vas être lavé aussi, et tu iras manger. 6h du mat', ça va, je pense que tu auras le temps. Toi, tu vas aller prendre une douche et manger. Et Lilate. Lilate, ouais, t'as raison, tu vas manger en proms. Bien sûr, du gâteau au chocolat. On se demande pas pourquoi. Je la surveille. Oh, ça me donne faim. Ça me donne faim. Ah, mais je reste là juste rater une bière parce que j'étais partie manger. Donc je... Ah oui, t'inquiète. On a commencé il y a pas très longtemps. Une bière. Oh, tu fais ce que tu veux, Elisa, ça me dérange pas, moi. Une bière. Non, ce soir, je comprends rien à la vie. Je dois avoir laissé mon cerveau au boulot. Oh, ma biche. En réseau, c'est-à-dire, tu me rassures, c'est n'a pas à comprendre, moi non plus. Oui, c'est le bah, c'est le truc hors réseau, en fait. Vous savez, les trucs où bah, vous mettez le terrain hors réseau à votre maison. Et qu'en fait, vous avez pas d'électricité, vous avez pas d'eau courante et trucs comme ça, en fait. C'est ça, le truc hors réseau. Bah du coup, bah, ils l'ont amélioré pour écologie, parce que là, ça va vraiment prendre son indépendance avec les maisons pour pouvoir vraiment produire son électricité et tout, en fait. Donc ça va vraiment être mieux amélioré. Mais c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais... De toute façon... Voilà.
T'es mignonne, petite lavande. Tu peux aller faire un petit pipi, si tu as les teints. Ouais, pourquoi je parle le sud, moi? Et pourquoi je parle le sud, toi? Oh, con, putain, con. Par contre, Lila. Ouais, Lila, c'est pas grave, tu vas monter. Hein. Tu vas. Voilà. Et maman, elle doit pisser sa mère. Nunu, tu dois pisser, Nunu. Nunu, elle doit pisser. Ça va, les filles, elles seront bien. Oh, il fait si de voir! Mais toi, non, t'es gentille, mais non. Non, femme de ménage, je serais... Ouh, punaise! Cette alerte est beaucoup trop. Voilà. Merci, Johnny. 7NT pour l'abonnement YouTube. Merci beaucoup. Même s'il passe, je sais pas, mais on sait jamais, donc je préfère dire merci quand même. Même si on n'est pas sur YouTube. C'est l'heure de l'école, les cocottes! Allez hop! Tout en cours! Bravo Prune! Terminé! Allez, tu vas réviser aujourd'hui. Toi aussi, tu vas réviser. Et il manque Lila qui a sa première journée d'école. Tu vas réviser aussi pour l'instant. Après, elle fera connaissance. Maman! Maman nuage! Elle va pisser! Et quand un nuage fait pipi? Ça fait de la pluie. Je viens de buger, mon internet voulait pas se remettre les fesses. De buger? Tu viens de buger? Non, en plus j'aime pas la bière, je trouve ça dégueu. Ah ouais, pareil. Oui, au réseau dans le jeu, je pensais en réel. Ah oui, non mais bien sûr dans le jeu. Tu sais bien que notre vie ne tourne qu'autour des Sims, voyons, Bubu. Voyons. Merde, il doit aller bosser. Ben Coco, tu peux venir prendre une douche. Tu vas épicer aussi parce que c'est à côté. Et tu vas manger. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Dans sa belle tenue. Ben écoute, Cocotte. Ça parle de binous sans moi. Qui cesse prit une petite bière que je l'accompagne. Ben justement, c'est une erreur d'Elisa quand elle a écrit bière au lieu de heure. Donc en fait. Ah, l'éducation. Alors, on va influencer l'empathie. C'est pas grave, la responsabilité, en faisant les devoirs, ça remonte tout seul. N'inquiétez pas, je gère. C'est pas vrai. Fitness, on est donc. Bah, ça a rien fait du tout hier qu'elle a parlé. Ah, je suis tristesse, moi qui vous fais un cours et tout là-dessus, et puis rien. Alors, le cours de sport, on s'en fout. Voilà. Gain de performance. Très bien. Allez, Lilate, Lilate, le nuage. Allez, va bosser. Qu'est-ce qu'il y a? Affreuse douche. Après une douche, cette douche de mauvaise qualité donne l'impression de cracher de la grêle. Bah, tu te fous de ma gueule quand même? C'est les mêmes douches partout. C'est les douches d'heure de gloire. Hein. Pourquoi il y en a une qui serait pas bien? En plus, si je dis pas de bêtises. C'est notre adorable petit pulcote qui les a améliorés de ouf, toutes, les chiottes y compris. Donc, commence pas à insulter ma pulcote, hein, parce que toi, je vais te faire brûler dans d'atroces souffrances, hein, au bûcher. Hein. Non, mais Ma dis. mère m'appelait pour savoir ce que je voulais comme alcool pour ce week-end. Despé life. Berk. C'est pas de l'alcool, c'est de la limonade. Allez, course tranquille. Non, pas course tranquille. Course d'endurance. Ça revient même, on s'en fout. 9,5! Sachant qu'elle travaille à 14h à la fin. Oh punaise, on n'a pas payé les factures. 68 simflouz. Travaille à 14h, c'est ça. T'as pas des poivrons? C'est la meuf qui donne des poivrons à donner. Ah merde! C'est les poivrons, c'est sa gosse qui les a emmenés. Allez, à 13h, t'iras Mais manger. si y est-il pour les enfants la despée. J'avoue. Déjà, en plus, la bière, ça bourre pas du tout et c'est pas bon. Donc, hop! Va manger, ma cocotte. Neuf soixante-deux. C'est bien. Un peu de boulot et puis on aura fini l'aspiration pour aujourd'hui.
Mais vous êtes fou, on donne pas de despé aux enfants. J'avoue. Re, Julia. Bah oui, ça va. Moi, soda me suffit. Mais grave, petite dragon, je suis complètement d'accord. Non, ça va, Perle, on va aller bosser, nous. Mais elle bouffe du chocolat et tout, tranquille. En même temps, avec une ligne pareille, elle peut se permettre. Bon, après, elle fait beaucoup de sport. Hein. C'est l'heure du boubou, c'est l'heure du boulot, ma petite nunu. Lali. Attends, toi, tu vas te faire des amis. Vous allez tous vous faire des amis, maintenant. J'ai oublié de gérer. De toute façon, il aura pas... Il est censé l'avoir, mais il l'aura pas. Bah écoute, viens. Si tu veux être à l'heure. Ah voilà, nickel. Oh là là, cette faute de goût. Les chaussures sont rouges et pas bleues. Je suis outrée. Je suis outrée, les Sims. Vous avez pas fait... Mais arrête, celui c'est l'ex. Hein. L'ex qui... En ce moment, les ex dans les Sims sont relous. Oh, Philippe. Non, il s'appelle Philippe, quoi. J'ai rien contre ceux qui s'appellent Philippe, mais c'est pas très moderne, quand même. Mais, what? Mais casse-toi! Florent, encore un? On en a déjà eu un. Go away, casse-toi. Mais qu'est-ce quoi? Ah bah il a disparu dans... Eh, il s'est jeté dans le feu, c'était un fantôme. Oh, regardez-moi mes petites biches! Regardez ce trio de bichettes violettes. Il y en a une qui est vénère. Ah. Oh là là, j'adore. Ça annonce, hein. J'adore la couleur, moi, violet. Ah, ma petite couleur d'amour à moi. C'est celui-là, Florent? On voit pas sa couleur d'yeux. Ah ouais, non, mais c'est un critère, moi, chez moi, maintenant. Hein. C'est... Alors, bah, les filles, qu'est-ce qui vous arrive? Toi, ça va bien, tu vas faire tes devoirs. Réussir haut la main. Toi, bah, tu saoules, tu... Oui, ah bah, que tu vas le faire rentrer. Hop, et si tu t'avais laissé tes devoirs là. Et toi, bah, tu vas très bien aussi, tu vas faire tes devoirs également. Voilà, comme ça, c'est fait. Ah, t'as un look. T'as un look, Coco. Regardez-moi cette tronche. Ah, la vie est compliquée. Oh bah il a les yeux de Mathurin. La couleur. Et de du coup de... Comment il s'appelle, Tancred. Et merci Hatsune Miku pour le follow. Bienvenue à toi. La brune avec la tête de lapin est super mimi. Bah il n'y a qu'une brune, hein. Non ouais. Ou c'est les cheveux noirs. Je sais pas. Du coup c'est soit tu parles de lila, soit tu parles de prune. Pourrais-tu en parler encore des bits sur Twitch? J'ai un doute bizarrement. J'aime aucun alcool, ok, je tape des gosses. Ça arrive, hein. Trop mignon. Mon dieu, cette tête, j'avoue. Alors, demande d'avis. Nuage doit donner une évaluation sévère à un collègue. Bon, ça, on ajoute des compliments. Je connais. Alors, Nunu, est-ce que tu peux avoir ta promotion? Oui. Oui, elle est là. Tu vas discuter avec les collègues aussi. Donc, à faire. Hein, ma Nunu. Travail dur. Allez, niveau 7. Oh, on a encore du taf hein, pour Nuage. Hein. Rien n'est fait. Hein. Et elle a fait bande à part. Elle a une voix de merde, Prune. Elle a une voix très enrouée pour une jeune fille. Dag. Tu vois pas que mes filles, elles sont studieuses, tu pourrais les faire aussi tes devoirs, hein. Finalement, la vente se joint au groupe. Par contre, il a l'air d'avoir un menton de l'espace, lui, il irait bien avec Prune. Hein. C'est histoire d'être sûr de préciser. Oui, mais du coup, c'est elle. Ah oui, avec le lapin. Oui, c'est ça, c'est Lila dont tu parles. La petite surprise. C'est la petite fille surprise que nous avons eue il y a quelques temps déjà maintenant. Enfin, quelques temps, oui, quelques semaines. Lui, il en peut plus, lui, il a envie de draguer ses... Bravo, Prune! Tu es responsable! Tu aimes bien ta Prune? Ah non, tu aimes bien ta intelligence comme... Tu peux t'aller te détendre maintenant.
Donc les Juju, elles travaillent encore. J'ai l'impression qu'elles se ressemblent quand même pas mal de visages hein, pour l'instant. Peut-être qu'elles seront identiques. Hein. Donc ce sera vraiment à quoi on va, elles vont tenir parce qu'elles auront les mêmes traits de caractère, la même aspiration. Je ne sais pas à quoi ça tiendra. Hein. T'as plus de sous. J'arrive pas à racheter des bits, on me dit que l'achat est rejeté. Ah. Il faut que t'en mettes plus. T'as tout. Faut que, faut que tu rajoutes un autre, un chiffre plus gros là. Au prénom, je veux Lila. Oui, bah oui, pareil. Pareil. Ah bah à voir après, hein, parce qu'elles sont pas encore grandies donc. Ah zouzou pas. Il a dit quoi, check Amazon? Oh punaise, il a une tête par contre. Je veux pas être méchante, mais le profil, s'il te plaît. Bof quoi. De toute façon, avec la couleur de tes yeux, ils sont marron clair. C'est le maximum que je puisse accepter. Mais, étant donné qu'on est dans notre Sobéry, ça ne passera pas. C'est comme Gandalf. Ouh, ne pâcherai pas! Je peux pas non plus, je sais pas, t'as tout. Vous êtes belle avec vos fesses et vos aubergines, toutes couleurs. Ah, qu'est-ce que vous pourrez faire? Ah, je peux faire l'empathie. Tiens, tu vas jouer au docteur. Juste un peu. Pourquoi? Mais viens! Ah, parce que c'est Lila qui a été dessus. Ces gosses me feront devenir chèvre. Bah viens jouer à la poupée, je m'en fous. Fais quelque chose de ta vie. Elle drague. La vende, elle drague. Elle s'est dit, bah attends, c'est un garçon. Non, tu vas aller manger épicé aussi quand même un peu. En attendant que papa et maman y reviennent. Encore une heure pour papa. Le nuage, elle rentre à 21h. Putain, ces 4 de créativité. Tant qu'elles font pas des conneries avec la peinture, je les laisse faire. Il y a quand même plein de choses à faire dans cette maison que de faire chier avec la peinture. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc pour moi, j'ai espoir. Vous êtes belle avec vos fesses et vos aubergines. Ah oui. Il y a des petites fesses de toutes les couleurs et des aubergines de toutes les couleurs, c'est mignon. Allez, papa, il va rentrer. Oh, coucou Pulcote. Mibs. 441 Simflouz. Bonjour papa, comment vas-tu papa? Est-ce que ça va, papa? Tu vas faire à manger, papa, sans foutre le feu? Des boulettes de viande. Oh, oui. Parce que, bon, la dernière fois, je lui ai dit ça. Il a foutu le feu juste après. Évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Aller voir quoi? Qu'est-ce que tu veux aller voir, toi? Tu vas pas te faire enlever par les aliens, hein? Hors de question! Demander conseil. Non, mais c'est à votre mère qu'il faut demander conseil. Votre père, il a pas besoin de s'améliorer en éducation. Oh putain, mais elle le fait. T'es casse-couille, toi. Ben, voilà. Influence les manières, influence les manières. Bah, on va influencer les manières alors. Si on n'a pas le choix, on va influencer les manières. Bon, nuage! Ah non, encore le temps. Oh. Oh la saleté, je te vois. Je te vois. Voilà, il y a des millions de jouets. Eh ben non. Madame, elle a envie de foutre la peinture et du chocolat partout là. Purée de saleté de... Comment on a l'aubergine? Déjà j'ai oublié, il faut donner des bits. Et des cheers. Pour faire parler Chantal en gros. Tu vois? Faut que tu cliques sur le petit losange qu'il y a en bas du chat à côté de ton smiley.
T'as un petit losange et il faut que tu achètes. En gros, c'est des centimes. Enfin, c'est de les dons, c'est de l'argent que. Pourquoi les émoticônes que c'est que pendant 24 heures, c'est un peu nul, c'est toi qui choisis ou pas? Non. Je me suis fait avoir aussi, Julien. Hein, je ne sais pas, c'est Twitch qui a fait que. Voilà. Quand tu débloques un emote, bah, c'est que 24 heures. En même temps, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'au bout d'un moment, si tu débloques tous les emotes chez un streamer. Parce que tu as beaucoup de points, mais sans lui donner de thunes, ben, tu vois, alors que les autres, ils ont un abonnement, ils payent et ils les ont avec, tu vois. C'est juste des émotes, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, mais. Mais je pense que c'est aussi pour donner une équité, en fait, que ben, ceux qui payent, ils ont moins quelque chose d'exclusif, tu vois. Plutôt de. En fait, tu payes pas et que tu as tout débloqué. Je pense que c'est plus pour ça. Alors, j'ai tout, Julia, j'ai absolument tout. J'ai tous les packs, tous les kits, tous les add-ons. Tout, 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 tout. J'ai juste pas la version de luxe, donc ouais, j'ai peut-être des petites choses qui manquent, mais parce que j'ai pas la version de luxe. Mes Sims sont jamais pipi debout. Chez moi, je comprends pas, parce qu'ils font que caca. Moi, il avait besoin juste de pisser. Oh, il a besoin de se détendre, petit choupette. Oui! Oh oui! Oh oui! Elle est contente, elle est belle, elle est fraîche, elle est contente, ses nuages, et elle a sa promotion au niveau 7. Ouais, promue au poste de pro, elle gagnera désormais 20 simflouz de plus par heure, soit 86 simflouz de l'heure au total, et elle a également reçu en bonus 698 simflouz et des photos de Lamacorne. C'est ça qu'il me fallait dans ma vie. Et elle travaillera de 14h à 21h, donc on reste sur les mêmes horaires. Et donc elle travaille demain et elle doit pisser. Donc bah tu vas aller pistoyer. Un petit prout? Ah non. Non, elle est contente, elle a eu sa promotion. Je suis contente aussi! Et elle va manger. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais allez voir quoi? Ouais, elle discute au moins, tu vois. Tu vas la complimenter, ça va augmenter vos manières. Parler des rêves. Ah, j'ai eu peur! J'ai cru que la gamine, elle était en train de regarder sa mère qui était en train de pisser. Je dis, what, c'est quoi ça? Et, ah mince, c'est cassé! Allez, on va remplacer. Les factures! Wesh, les factures! Papa, t'as payé les factures. Tu sais pas quoi faire de ta vie là, avant de. Je crois que t'as un. Bah, tu sais, tu vas parler avec tes sœurs et puis après, t'y relis, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? J'aurais voulu être enfant unique. Non, ça va aller. Tu vas être sympathique avec tes sœurs quand même. Beaucoup d'argent. Ça t'a coûté combien sans être. J'en sais rien, j'ai jamais compté, Julia. Mais non, j'ai pas le gâteau hamburger, c'est ça, Elisa. Exactement. Lilouna. En fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des packs et tout ça qui m'ont été offerts. Que des personnes très, très gentilles m'ont offert. Sans que je les réclame. Donc ouais, je n'ai pas tout acheté moi-même, mais le reste j'ai acheté. Et maintenant ils me sont aussi offerts par les Sims. T'es pas obligé de tout avoir. Non, mais moi j'aime bien avoir tout. C'était pas mon but dans la vie, c'était pas de tout avoir dans les Sims, tu vois. Mais bon, le fait est que bah j'ai tout maintenant. Et, il est encore chaud comme la braise, hein. Allez, vous allez faire un petit duo, c'était mignon. Améliorer, bah non. Chanter en duo, country. Mais non. Mais parce qu'il s'est couché, cet idiot. Mais viens. Eh, non, non. Nuage, tu vas pas être couché non plus. Oh là là. Nous avons un vampire qui a apparu. Non. 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 Pas de vampire. Non. Tu vas chanter en duo country, voilà, avec Adonis. Allez. Non, monsieur! Sous-soul, mais sionné, couraisin, on va pas vous ouvrir, monsieur. Vous faites peur. Vous êtes un vampire, monsieur. Puis en plus, vous avez les yeux marrons. Donc on vous ouvre pas. Oh là là, Adonis, il est en slibard. Attention, ça ne rigole plus. Elle est vraiment comme sa sœur Nunu. Pourquoi? Bon, elle a pas pété, là. Ça va. Elle s'est retenue. Why the sheepies don't fuck right? Good.
En plus, c'est de tout avoir dans les 6, mais je refuse de payer plein pot. Ah ouais. Pour ça qu'Instant Gaming est bien. Et c'est bien que ça existe. Pas de soucis, Tatou. Oui, Rin. Attendez, je m'écarte parce qu'il me crie dans les oreilles. Oui, Rin, pour être affilié, enfin, il faut être affilié pour débloquer les bits, les abonnements et les points de chaîne. En fait, moi, à la base, je voulais que les points de chaîne pour que les abonnés puissent acheter des chansons, tout ça, pour qu'on joue ensemble, en fait. Mais bon, au final, ils ont préféré donner d'argent. Donc, en gros, j'ai adapté le truc aussi avec les badges et tout ça, mais c'était pas mon but de base. C'était vraiment juste les points de chaîne. Quand il y a du stock, oui, c'est ça, Elisa. J'avoue. Wouh! Ça va, t'es à fond, là. Va te coucher, parce que toi, tu te lèves tôt, mon coco. Elle, ça va, elle peut faire la grasse mat. Le petit prout en scred. Lui, il est content, regardez, il se dit « Oh, moi, je vais retourner au lit !» Et elle... Hop, allez. Donc, 5 en charisme, 8 en fitness. On est bien. Pour la prochaine... il est quelle heure? 23h30. Tu vas chanter en solo. Voilà. Pays du Nectar. Disco et Tétorinde. Ah ouais. Pop. Bonne soirée, c'est ma préférée, celle-là. Ah oui, ça pue, hein, cocotte. Voilà. Un petit concert. Ça faisait longtemps. On va passer 5 minutes à regarder les concerts. Et là, j'imagine la rediff YouTube qui fait avance, 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 avance. Il sort vendredi prochain, le 5. Salut Maki, comment tu vas? Il adore l'épée dans cette famille. Bah, en fait, c'est parce qu'elle est crasseuse, c'est pour ça qu'elle pète. Et encore, normalement, ils peuvent roter, mais. Attends, je me recule. Hein. Alors, Julia, ma chaîne YouTube, c'est Agent Shirley, c'est pareil. Et tu peux voir en dessous du live, tu auras une petite banderole en fait où marqué YouTube. Et en fait, ça te va diriger directement sur ma chaîne YouTube. Bon, la dernière, je serai obligée de chanter, hein, je vous avoue tout de suite. Hein. Des ding descendants de Pépé qui pétait sur son gars, mort de rire. J'avoue. C'est vrai qu'elle pétait sur tout le monde, sur son mec, sur ses enfants. Sacré Pepper. Repose en paix, Pepper Rainbow. Maman Zika, maman Zika, je connais pas les paroles, hein, celle-là. Maman Zika. Ah non, mais si! Lila! Oli! Ah! Oh! T'es sans moi. Wow. What do we do the more? Wow. What do we do the more? T'es sans moi. Oh, what do we do to moi? Oh, what do we do to moi? Woo!
Bon, alors. Non, je suis pas sur elle, je suis sur sa fille. Alors, on va la regarder en chant. Nous sommes à 8. Allez, on va la faire courir un petit peu. Comme ça, dès que le fitness sera fait, elle chantera. Et puis après, on sera tranquille. Elle est contente, hein, regardez. Oiseur, chanteur de luxe. Oiseau, oiseur, n'importe quoi. Oiseau, chanteur de luxe, oiseur. La voix puissante du nuage était encore meilleure que l'original. Quelle performance extraordinaire. Je sais, merci. Du coup, moi je pensais qu'elle n'était pas fatiguée, mais en fait elle est fatiguée. Oh, c'est pas grave, elle va courir un petit peu. Non, allez, vas-y. Je veux pas être biatch. Tu vas manger, tu vas dormir, ma belle. Allez, vas-y. Bravo pour ce duo. Merci. C'est bien famille, c'est leur passion, j'avoue. Je continue de dire que je connais cette chanson en version normale. Mais moi, ça, moi je sais pas ce que c'est, hein, mais je veux bien que tu me la retrouves si tu arrives à la retrouver, Lisa. Bonne soirée, Manu. C'est ma préférée du karaoké, moi aussi. Je l'adore. Ça s'est vu, non? Faudra que j'apprenne les refrains, hein, parce que ça craint après de pas chanter les refrains. Je devrais en faire un clip en fait. Là, quand j'ai chanté, je devrais couper juste ce moment-là et le mettre sur YouTube. Le bad buzz assuré. Ceux qui m'aiment pas, ils vont faire. Non, mais franchement, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça que je devrais faire pour buzzer. Je chante les chansons Sims. YouTube. Je chante les chansons du karaoké Sims. Et je suis là, waouh, faut que je m'entraîne. Et voilà. C'est ça. Moi, je vais faire ça. Je vais buzzer. À moi, les 100 000 abonnés. Ah la vache, avec la couze. Bah ouais, mais j'avais regardé la santé de sa fille et pas sa santé à elle, donc forcément. Allez, c'est pas grave, de toute façon. Oui, 4 h du matin. Oui, mais ça va, elle commence à 14 h, donc on a le temps. À peine le temps de dire ouf que t'as les gosses qui se lèvent. Alors, un petit pipi pour Prune. Oh, allez, une petite douche aussi, un petit manger. Il est toujours 6 h du matin, tout va bien, elles sont très matinales ces gamines. Douche, puis manger. Lila, bah Lila, comme c'est la dernière à être se coucher, elle a fait sa teug. Bah. Trait de caractère génie, oui. Tu grandis quand, Prune? Non, 7 jours. N'a pas été très loin. Brûle les coupingères, raté quoi? Bah. Voilà. Mais je vais y penser, Bubu. Franchement, je vais y penser. Ça fera le bad buzz assuré, mais je vais y penser. Faudra que je m'entraîne, parce qu'il y en a que je connais pas. Je connais pas encore les couplets, comme je dis, donc. J'ai cherché l'autre jour et je me suis retrouvée sur une vidéo lyrics en simili de Katy Perry dans les Sims 3. Ah ouais, carrément? Oh oui, vas-y, à toi la. Ok, je note. Un superbe duo. J'avoue. Je prendrai Nuage, hein, parce que. Nuage ou Emma, parce que c'est les deux seuls Sims que j'ai poussés dans le champ. Du coup, ben. Bah, Emma, parce qu'elle chantait bien quand elle était enfant, je trouvais, donc j'ai poussé, j'ai persévéré. Et bon, bah, Nuage, c'est parce que c'est assez imposé, en fait. Mais. Ben, il y a une douche qui va pas, hein, là-haut. Elle est quoi? Il se passe un truc avec cette douche? C'est celle-ci. Bah, je sais pas, ils sont pas contents. What oh! Oh! Ah, il travaille à 10 h lui. Bah, ça va tranquille en fait, les parents là. Lila, t'es sûre? Oh Lila! Un petit pipi! Un petit caca? C'est pour la rime, évidemment. Je ne suis pas du tout obsédée. Oh, lui, il en peut plus. Hein. Ça y est, il se lève, il fait oiseau! Oiseau! Pareil, il va faire un petit pipi, un petit caca. Il va se doucher. Il va manger. Non, tu vas pas manger tout de suite. On a quand même deux salles de bain en haut, on en profite, non? Zut, hein. Oui, y a moyen que si tu te débrouilles vite, Adonis, on te fasse bosser un peu. Et Prune part pour l'école, Lavande part pour l'école, et Lila est toujours la dernière. Eh ben écoute, tu sors de la douche. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont réviser. Voilà. Lila, elle est un peu de mal. Tu vas la réviser aussi. Tu vas manger. Chip, 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 chip some more. Wow.
amusement. Allez, on va faire un petit robot ménage. Ça, on aura plus de soin de ménage, on aura le robot ménager. Et il va avec son assiette. Mais oui! Pourquoi mes Sims, ils se baladent tous avec leur assiette pour faire un truc? C'est bizarre! Oh, and a zouk, and a zouk. Un mariage, il faudrait faire un concours de pelles entre nuages et perles à A. Visage avec des larmes de joie. J'avoue. Ah, mais nuages, elle en faisait pas au début. C'était perles qui en faisait tout le temps, mais... Des pieds de nuages, hein, tu veux savoir. Mais depuis, voilà. Ça va, t'as fini avec ton assiette, là? Mais, reprends le mécanisme. Devoir inachevé. Ah, voilà la vérité. Oula, mais... Quoi? Professeur de Lila félicite pour son honnêteté et lui donne exceptionnellement du temps supplémentaire. Elle a beaucoup de... Mais c'est magnifique. Et en plus, elle révise pour cette histoire-là. Pendant que notre amie Nunu, elle a pas encore tout dormi de tout son saoul, mais je vais bientôt la réveiller. Où elle ira aux toilettes et chanter sous la douche, évidemment. Ça peut améliorer son chant. Elle chante déjà très bien, mais c'est histoire de... Hey cocotte, allez vas-y, tu te lèves. Tu dois atteindre le niveau 10. Aujourd'hui, tu atteins le niveau 10 de sport. En fitness, de sport. Thank you, Enes Bourda. Thank you. And hi from France. Ah, eh ben, t'as cassé. Remplacé. Voilà. T'as cassé, c'est pas bien. Alors, t'es en bon état. Sport. Attends, tu vas faire le défi de la colline. Ça ira peut-être plus vite. Adonis par bosser. Super, tu vas travailler dur. En plus, il est bugué. Ça repart à grand-chose, du coup. Mais... Ah si, il atteint le niveau 4 de la robotique. J'avais pas fait attention. Voilà, alors, midi. Pendant 2 heures, elle va courir. On a 65. Ouais, elle est mignonne, hein. Ma petite nuage, finalement. On préférait mini, mais nuage, je suis pas déçue, quand même. I'm fine, NS Bourda. Thank you. Ça, vous pourrez juger mon accent. Elle travaille dans une heure. Ouais, mais cocotte, tu... entraînement normal. Allez, hop. Voilà. Elle a plus un pet de gras, cette fille, hein. Moi, je fais 45 minutes de sport, je suis au bout de ma vie. Mais c'est bien, au moins tu le fais, tu vois. Moi, j'ai arrêté, là. Pourtant, je voulais en faire tous les jours, tous les matins, et j'ai arrêté. Pourtant, j'étais bien partie, hein. Allez, hop. Il est temps d'aller bosser, ma cocotte. On est à... 75%. 75, donc ça va. Bon, ça va être bien, parce que tout le monde part, là, aujourd'hui, donc ça va être rapide. Attends, pause. Minute papillon, faut que je la fasse travailler dur, c'est bon, elle le fait déjà. Les notes sont en hausse. C'est vrai qu'il s'est passé qu'une heure, j'avais oublié. Oh, la brochette, elles sont belles. Enfin, sauf une. Eh ben, tu vas te divertir, tu vas aller te divertir et tu vas aller manger. Elle avait déjà prévu de manger le gâteau, hein. Bien voyons. Est-ce qu'elle va réussir à s'entendre sur le programme télé? Ah bah non. Tu peux regarder la télé, hein. C'est vrai qu'ils sont pas très fans de télé dans cette famille. Ils regardent pas trop. Je me souviens qu'à une époque, moi, les Sims, ils étaient non-stop en train de regarder la télé tout le temps, quoi. Ça m'avait gavé une fois, mais... Je cours 10 minutes, mais moi je peux pas courir, j'ai mes genoux de merde en fait, j'ai des genoux, et comme j'ai beaucoup de surpoids, bah... En fait ça pire pour mes genoux, quoi, donc je peux pas courir. On va aller faire du bénévolat, ça fera passer le temps plus vite et elles augmenteront leurs empathies. Ouais, mais... Pas très très grave. Ah! Nuage veut impressionner son patron pour obtenir une promotion, comment doit-elle procéder? Est-ce qu'elle doit faire des heures supplémentaires ou s'occuper d'une tâche secondaire? À vous de me dire. Qu'est-ce qui est mieux, sachant que ce serait bien d'augmenter, hein, pas de perdre, hein.
Je vous suis. Heure sup. Marie, l'accro du boulot. Elle veut de l'heure sup. Wow, my name is Bon ben hors sup alors. Ok, très bien. Gain de performance petit. Bon, j'ai pas lu tout, tant pis. C'est toujours mieux que rien. Elle va quand même discuter un peu avec les collègues. Voilà, ça fait un peu augmenter. Elle est très énergisée, elle est contente, elle a fait du sport. Elle est pas éreintée comme un certain Iowa. Jay voit pas pourquoi je serais la seule à souffrir avec les heures sup. J'avoue. Je fais le sport de France 3 lundi à 45 minutes sur 6 mois mercredi. La vache. Moi je regarde les. Sauf pour le yoga parce que j'avais rien compris, ils allaient trop vite. Non, ma cocotte. Non, t'es mignonne, mais non. Tu vas faire tes. Ouais, t'as plein de trucs à faire. Je regardais Gym Direct sur YouTube. Franchement, ça va. Il y en a un particulièrement que je faisais tout le temps. Mais elle fait ses devoirs. Oh, elle est mignonne. Je lui ai pas dit, elle le fait. C'est trop choupi. À quel point c'est choupi, franchement. Bravo, Lavande! Braval! Lavanda. Ta soeur a été dans le frigo. Ouais, si tu peux y aller maintenant. Tintin, moins chou, minou, oh, loin de là, minou, la lampe. Faudrait que j'aie un vrai micro. Faire vraiment comme dans les Sims, quoi. Est-ce que vous faites du sport? Faut que vous fassiez du mal, j'avoue. Demain, je retente France 3. Ah la vache, mais je savais même pas qu'elle faisait de la. Enfin, de toute façon, j'ai pas la télé, donc forcément, je pouvais pas deviner. Kika est déjà allé jusqu'au niveau 10 de la compétence pâtisserie. Je n'arrive jamais, mon Sims meurt avant. Non, moi pas. Le sport, c'est malin. Oh, les bibiches! Wanubu! Non, c'est pas ça. Augmente, augmente, augmente! Je veux que tu aies une promotion vite. Non, Mini! Arrête de nous harceler! Oh, ça fait rien là, hein. Travailler dur. Tu vas te détendre. Ah, là, ça augmente un peu. Travailler dur. Ouais. Pas trop, trop ça non plus. Ouais. Faut discuter des fois avec les collègues. Ouais, 441, c'est flou, c'est la richesse incroyable. Elle a rencontré Elodie au travail, mais c'est super. Toi, je vais te débugger parce que t'es bougé. Voilà. Niveau 2 de bricolage. Bah écoute, si tu veux fabriquer une bloc de couteau et un truc de cheval. Une statue, hein, pas autre chose de cheval. Pardon. T'as qu'à faire. Devoir terminé pour Lila. Mais c'est super! Mais je suis ravie pour vous! Toi, tu vas pisser. Lila! Oh, Lila, tu vas aller pipiter aussi après. Prune, qu'est-ce que tu peux faire, prune? Allez, prune, 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 tu vas faire ça. Parce que t'as pas pu le faire l'autre jour parce que ta sœur, elle l'a fait. Cette fois-ci, tu vas. Oh, les toilettes, elles sont cassées! Ça fait pourvu. Elle est aux toilettes. Tu viendras jouer la poupée après. Donc, écoute, tu vas aller aux toilettes, tu vas te divertir. Je sais pas ce que tu veux faire. Tu veux jouer avec ton Rhino, très bien. Très bon choix. Lui, il bricole. Pendant que Lila, nuage, rediscute avec les cocos, les glélègues. Oh, ça va pas. Ouais, bon. C'est pas prêt d'être. Deux simflouz pour Nunu qui vient de relarguer une caisse. Je l'ai vu. Pas la peine de te cacher. I see you, nuage, quand tu pètes. Non mais arrête-toi! Oh, il est chiant!
Voilà, très bien. Quand tu auras fini de faire ça, tu pourras refaire le dîner. Spaghetti. Des bons petits spag. Je suis jamais le goût de la... Moi non plus. C'est pas cuisine gastronomique aussi? Je sais plus. J'ai repris car presque perdu mon poids de grossesse, sauf qu'avec le confinement, j'ai repris 5 kilos. J'ai les personnes. Oh là là! Si c'était que ça. Si j'avais que 5 kilos en trop, la vie serait meilleure. Pour ton amour! Ouais. Jazz. Beauté classique. Ça c'est toutes les filles du chat, elles sont beauté classique. Et la prière de l'idiot, hein, les fameux idiots du village, on les connaît. Finalement, ils sont pas chez nous, hein. I belong at you. I should be flown. Flushy, flashing down. Je connais pas les paroles. À bientôt, Liloun. Tamboulé, zamboulo. J'ai du boulot, hein. T'es belle, ma nunu. Ah, il a fait une superbe sculpture de cheval. Et nous sommes à 8,68. Ah, c'est vrai que j'avais dit qu'elle faisait le... Qu'elle avait le niveau 10 en sport aujourd'hui. Pas grave, elle est pas encore couchée. Pendant que papa il fait la bouffe. Quelle horreur. Quand c'est en accéléré. Ah! Miss Gros Boobs! Gros Boobs! Boobsy Girl, pardon. Pas de soucis, Elisa, des bisous! A bientôt! Oh putain, c'est violent comment ça coupe la chanson là. Tout est journée que rien, les vêtements, c'est à cause du lave-linge. Oui, c'est ça. Moi aussi, ils sont tous trop petits, c'est bizarre, hein. C'est ça la prière de l'idiot. Je vous saoule avec les chansons, je crois. Bambi de... Elle est à fond en plus, hein. Voilà. Ça m'a épuisé. Tu iras prendre des spaghettis après. Ah, c'était ça, il avait mis la musique, lui. C'est pour ça que ça me perturbait. Crac crac dans le placard. Tu vas faire une blague sur les martiens plutôt. Ah non, Lila! Pourquoi faut que tu demandes à ton père? Tu vas influencer les manières. Va te coucher. Laisse. Oh, il est minuit! Fichtre. Ah, en fait, il est minuit, mais tu peux rentrer à la maison si tu veux, Boobsy Girl. J'aime bien quand tu les imites. Ouais, pas forcément la meilleure façon, mais bon. Petite Pépette, elle chante trop bien Nunu. Oui, mais c'est parce que moi, je chante par-dessus. C'est ça qui est moins agréable pour vous. Oh, la vache, il est en sale état. Ah! Qu'est-ce qu'il a? Il s'est fait mal, le choupi. Oui, mais il a atteint le niveau 2. Eh, peut-être qu'on aura... droit à une petite promotion pour Adonis. Qui sait. Le même pantalon. Ah, il y a des chances. Ouais. Écoutez, en vrai, quand j'ai relooké Mini, c'était un peu ma préf. Du coup, je l'ai vraiment fignolé son petit relooking. Mais bon, comme c'est Nunu, bah Nunu, j'ai repris un peu ce que j'avais mis chez Mini pour mettre sur Nunu. Quoi. Ouais, laisse-le tranquille, il va devoir l'épicer, ce pauvre chat.
On va mettre la bouffe dans le frigal. Tu peux parler à ta sœur. Mais fais pas la vaisselle, Adonis, tu dois l'épicer. Bah oui, hein, moi je t'ai mis hein, sur ta liste, hein, c'était ton problème. Hein. Moi c'est ton problème. Si tu vas pas. Non, je t'ai fait. Voilà. Oh là, imaginez le soulagement que ça doit être quand vous êtes en rouge comme ça. Ça existe dans la vie. Quand vous êtes vraiment sur le point de vous faire dessus et que vous allez enfin aux toilettes et là vous êtes là. Ça fait un bien fou. Farci pommes de terre et courgettes. Oh. J'aime bien l'entendre chanter, pourtant j'ai pas cette patience quand je joue. Mais c'est apaisant de regarder ton jeu. Oh, c'est gentil ça. Retatou. Oh, y'a de la guitare là! Wesh, vas-y! C'est du métal! Bon, il est crevé, il va se coucher. Ah, tu vas pas aller dormir tout de suite. Défie de la colline. Tu vas défier la colline! Parce qu'elle a des yeux, la colline. Allez, laisse tomber ta sœur. Mais les boobs, j'en reviens pas. Elle en a vraiment des énormes amnis. Hein. Je sais pas, Nathalie, je me souviens pas qu'elle avait des boobs aussi ouf. Après, ça date peut-être de l'héritage de Pepper, qu'on avait bien doté aussi aux fesses et tout. Donc, pourquoi pas. On va faire courir un petit peu. Voilà. Oh, Prune passe par une phase. Casse-moi pas les pieds, Prune. Va te coucher. Mais elle a déjà dormi. Bah, vas-y, fais ta vie. Lila! Lila! Quel sale gosse. Tu vas manger, tu vas te coucher après. Je vous jure, c'est gosse. Alors, niveau 9, 78. 79, 80. 81. C'est de l'arnaque, hein, quand même, là. Que je sois en accéléré ou pas, ça monte au même temps, hein, vous avez remarqué. Hein. C'est tout aussi long. Bon, elle est crevée. On va la faire dormir, et ben tant pis, j'ai raté mon... Quand j'ai dit qu'elle irait, j'ai raté. I know, I miss that. I'm not a real good player. I'm not a real good sima player. Bah toi, tu vas faire ça, ouais, c'est bien. Après, t'iras faire des câlins, machin, et t'iras jouer. Si tu veux pas dormir de la nuit, moi je m'en fous, hein, c'est toi qui vois. Hein. Ah oui, Mini, oui, 4h30 du matin, oui, vaut mieux que t'y ailles, ouais. C'est mieux, en fait. Pourquoi? Allez, nain, tu peux le faire. Eh ben non. Elle a dit allez, nain. Ok. Ok, Chantal, t'as raison. T'as raison, Chanchan. J'avais lu, je dois aller au WC. Ah bah non, cette flemme, mort de rire. Bon, il est un peu tard aussi. Toi, dors, j'ai pas dit sieste. Allez. Sale gosse. Mais quoi, mais toi aussi, t'es déjà debout. Mais il est 5h du matin. Cassez les burnes, les gosses. Elle va te laver. Elle va manger. Pire en pire, hein. De pire en pire, t'es. Je regarde combien de temps on a enregistré, parce que quand même... Il y a des connards dans la rue qui font un bordel monstre ici, réveille ma petite. Ils vont me la rendormir, rien à foutre. Ils vont te la rendormir. Un petit coup derrière la tête, ouais. Mais je t'ai dit d'aller bouffer. Quel est ton problème dans ta vie? Bouffer. Parce qu'il y en a une qui va dedans, alors forcément tu peux pas y aller, c'est ça? Allez, ça y est bon. J'ai oublié d'entendre la musique. Par contre, faut avoir des cailloux et des œufs pourris. Hein. C'est sympa votre soutien, mais si on n'a pas ça chez nous, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, vous savez pas, mais une fois, j'ai reçu un œuf dans mon appart. Il y a des gamins qui se baladaient en fait dans la rue. Comme je suis au premier étage, j'avais ma fenêtre ouverte parce que c'était en plein été. Ils ont balancé un œuf. L'œuf, il s'est écrasé sur le mur là, et ça a dégouliné et tout. Et ils sont barrés en courant, comme en rigolant comme des cons. Voilà. Je savais pas que ça se faisait. Moi, j'étais. Ok, très bien.
Mais c'était un œuf normal, hein, c'était pas un œuf pourri. Parce qu'il faut en avoir des œufs pourris déjà pour pouvoir les balancer. Ah ben j'ai gueulé à la fenêtre, j'ai dit bande de petits cons. Comme les vieilles. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais maintenant il y a un filet à cette fenêtre là parce que c'est pour les chats. Donc si ça se reproduirait, bah l'œuf il pourrait pas aller très loin, il retomberait sur eux. Mais ils ont pas retenté. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu nettoies rien. Tu vas aux toilettes si t'as envie d'aller aux toilettes. Lila, tu vas te lever? Il est 7h30? Ah bah tant pis, hein, il fallait te coucher quand il fallait te coucher, hein. Tu crois que je suis ta mère aussi ou comment ça se passe? Lui va. Il va aller taffer. Ah, Alexandra Gray a été adoptée par le foyer Carriero. Bah voyons, bah alors les Carriero, qu'est-ce qu'ils font? Oh bah dis donc. Oh bah c'est trop bien ça. Tu vas bidouiller. Parce qu'on t'a demandé ça. Et comment ça va? Il va peut-être avoir le temps. Alors, aujourd'hui, vous allez vous faire des amis. Lila est toujours la dernière. Elle est en course. Et... je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais... plus vous avez d'amis, plus vous avez de chances d'être casé facilement. Il est encore excité, lui. Hein. Va te calmer, ouais. Pensez à un membre de sa famille. Mais non, t'en as pas. Zamboulé, Zamboulo. Retour à l'envoyeur. Mais oui. Mais bon, je pense pas que ça réarrivera. Hein. Cette pâte aux gruyères ici aussi. Ras-le-bol de faire la popote. Ben, moi, c'est soupe. Et j'ai acheté du jambon et tout. Je pense que je vais me faire un petit croque-monsieur avec. Soupe croque-monsieur, c'est pas mal. C'est un bon deal. Bref, on s'en fout. Je sais que tu vous en foutez. Mais je vous le dis quand même. Parce que je vous aime! En fait, quand je fais ça, vous voyez pas trop le chat. Ouais, mais bon. Parce qu'après, il y a les trucs là-haut qui s'affichent aussi, quoi. Waouh. Voilà, je fais ce que je peux. On s'en fout pas. Si, bah YouTube, il s'en fout. En plus, ils vont regarder ça samedi midi, alors... qu'est-ce que j'ai bouffé là, il y a deux jours au soir, qu'est-ce qu'on s'en fout. Soupe à quoi? Bah c'est la même soupe que j'ai fait, c'est toujours petit pois carotte. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle dort. C'est parce qu'elle dort. Allez, tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller, Nunu. Fais voir ton... ouais, c'est bon. Nunu, elle va se réveiller. Elle va aller faire pipi, elle va aller chanter sous la douche. Même si elle a pas trop besoin de se doucher, hein, c'est juste pour pouvoir améliorer son chant. Oh, c'est le jour de l'amour. C'est le jour de l'amour demain. Aide orthographique, fait de son mieux. S'en fout. Désolé. Qu'est-ce qu'elle a? Fait de son mieux. Tu casses les couilles. C'est toi des amis. T'as pas eu le temps de niaiser, hein. Oh, la femme de ménage elle est déjà là. Et bah tu vas pouvoir... tes filles de la colline. Là je le sens. Là je le sens, Nunu. Elle a 3 bonnes heures devant elle. Ça va, il va bosser. Tu vas travailler dur. 3 bonnes heures devant elle. Pour nous finir. La compétence de sport. Il reste 18%. Et du coup finir aussi l'aspiration. Ce qui sera une très très bonne chose. Du coup on pourra se focus sur l'éducation... et puis, bah en même temps, elle est pas là. Hein, quand les gamines rentrent de l'école et tout, faudrait que j'attende qu'elles rentrent de l'école pour aider aux devoirs et tout. Donc c'est chiant. Parce que les horaires sont vachement décalés. Et pour aussi bah, faire l'éducation et donc le chant. On est quand même bien parti, mais. J'ai la dalle, mon mari a neuf fait à manger, mais j'ai juste envie d'asseoir. Bah t'as bien raison. Mon plafond il est redevenu très très fin. Juste pour vous dire. Vous savez que le plafond il fait ça quand même, avec comme épaisseur. Tu vas y arriver, ma Nunu. Ouais, ça avance pas des masses. Hein. Je laisse en. Parce que j'ai l'impression que même si j'accélère, ça accélère pas la vitesse.
Un petit croque-monsieur ce soir. Bah non, cocotte. Allez, défi de la colline. 87. Quand on veut, on peut. Bah, Denis a impressionné son patron avec sa capacité à adapter facilement et à fournir un travail. Bon, bah cette fois-ci, on va se débrouiller tout seul. Hein. C'est la même chose qu'on a eu. Hein. Perte de performance. Oh, c'est pas mieux. Mais il est censé avoir toujours sa promotion. Tu vas flirter avec les collègues. Oups. Non, tu vas discuter avec les collègues. Tu vas travailler dur. Prune a rencontré Maxime. C'est cool. On est pour elle. J'ai envie d'aller plus vite, mais... 90%. Allez, là, il reste plus d'une heure avant le boulot. On va pas y arriver. Vous croyez qu'on va les avoir avant ou pas? Vu qu'ils ont déménagé le frigo, ils sont peut-être... Non, c'est pas les mêmes. Non, parce qu'il y a eu une baston mardi soir au deuxième, mais pas au-dessus de chez moi. Enfin, au-dessus de chez moi, mais pas pile au-dessus. Et donc, en fait, depuis deux jours, ils font le bordel, ils déménagent tout... Ah la vache, ça va pas le faire. 5%, 4%, 3%. Elle doit aller au boulot. Oh, je m'en fous, je finis. Allez, on est à 3%, je finis. T'as pas intérêt à finir avant. En fait, elle bosse pas, c'est ça. Je suis en train de me stresser pour un truc. Elle bosse pas aujourd'hui. Je me suis stressée pour rien. Ah, quel bonheur. Mais c'est bon là, on est à 99. J'attends que ça valide. Hein. Oh, ok, ça sonne bien à mon petite oreille. Aspiration terminée. Grâce à beaucoup de sueur et de larmes, Nuage a enfin réalisé son rêve de devenir agriculturiste. Oui, trait de caractère gagné, grande longévité. Nuage vivra plus longtemps. Oh merde! Et niveau 10, la compétence Fifi Fitness, tu vas pouvoir aller bouffer 15 kilos de chocolat. Tu as le droit. Oh, inspiration terminée, c'est trop cool. Au top Nunu. Exactement, au top Nunu. Ah, maintenant on va chanter. Eh ben, les filles sont rentrées, donc en fait, on va pas chanter. Ma qui applaudissent. Ah, je pensais qu'il y en avait une autre. Mais les filles vont rentrer... Oh là, bah, pipi. Hop, voilà, déjà. Comme ça, elle va pouvoir s'occuper des filles. Oh là là. Toi, tu vas regarder la télé. Des drama queens, hein, ces filles-là, j'ai l'impression. Alors, tu vas faire tes devoirs, toi. Tu vas commencer par toi. Hop, faire les devoirs. Non, mais t'étais assise, pourquoi tu te lèves? Oh, ouais, mais je préfère aller là. Ok, bah... En plus, tu veux, tu te rapproches de ta mère, comme ça c'est encore plus simple, pour aider à faire les devoirs. Parfait. Oh, je suis contente, l'aspiration est finie. Yes! Twitch a fait bugger mon tel, j'ai dû redémarrer. Ah mince! Comment ça, Twitch? Bien sûr! Oh, j'ai faim. Je pense qu'on va terminer à la fin de la journée. Je regarde. Ouais, on va finir cette journée-là. On a fini bien la journée. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On aura bien avancé, quand même. Ça monte son éduque. Oui, regardez, on va arriver au niveau 7. Oliver Maury a été adopté par le foyer Edex. Et la vente Rainbow a fini ses devoirs pour aujourd'hui. Coconne. Pardon, Prune. Tu vas réussir à les devoir et maman elle va venir t'aider surtout. Viens maman. Parce que là faut que maman a l'éducation. Oups. Donc chacune elle va faire les devoirs là. Elle profite qu'elle bosse pas. Parce que sinon, bon voilà quoi. Niveau 10. 7, pardon, niveau 10. J'avais l'appli toute noire impossible à la fermer. Ah ouais, d'accord. Mais t'avais le son. Bon, c'était l'essentiel, non? Ma douce voix. Et voilà, elle a terminé ses trucs et elle... Oh la vache. On s'en fout que t'aies faim, ta mère est disponible donc tu vas faire tes devoirs. T'es où? T'es dans ta chambre? Tu vas faire où tes devoirs? Va descendre.
Ah non, elle va aller faire là. Oh, c'est parfait, regarde! T'as même pas besoin de bouger, nuage, pour aider ta fille. Hop, aider à faire les devoirs. Et essayer de les réconforter aussi, ouais, on verra. Et là, elle se recouche. Tu vas jouer avec émotion? Mais ouais, mais il fallait pas se lever à 5h du mat aussi, gosse, là. What? Oh, lui, ça va plus, Adonis, là. Oh, il est censé avoir sa promotion, quand même, hein. Ce serait cool. Il serait à quel niveau? Niveau 5. Pas mal, pas mal, pas mal. Déjà? Ah non. Tu l'éduques bien, là. Il est à faire les devoirs. Mais toi, tu joues pas? Je t'ai dit de jouer avec émotion. Ouais, quand même. Niveau 7, éducation. Ah, je suis contente qu'on ait fini le fitness, parce que... c'était un peu long. Et re, mon soldat. Moi, j'avais monté au max éducation en faisant dire des gros mots à l'enfant et la mère qui engueule juste derrière. Ah bah, hé. Mathurin, il est niveau 10 hein, en éducation. Et il a fait que gueuler sur les gosses. Seulement. Je sais pas si Petroni, parce que Petroni, vu qu'elle était au four et au moulin, elle faisait tellement de trucs que du coup, elle l'a peut-être pas les 10 en éducation. Mais écoute, regardez. Tu vas apprendre à Prune. Tu vas lui apprendre des choses à Prune. Éducation. Tu vas apprendre à dire s'il vous plaît et merci. Voilà. Vu qu'elle est là, elle s'ennuie. Pendant ce temps-là, Nunu, elle fait son éduc. Ah non? Ah si, j'ai eu peur. Bah arrête de... Ça s'arrête toutes les 3 secondes. Romain Mercier est à... Oh oui, Tatonis. Regardez. Bon, il pue. Mais il est content. Je suis content. Il a été promu au poste de technicien en ingénierie. Et il gagnera désormais 33 simflous de plus par heure, soit 82 simflous de l'heure au total. Il a également reçu un bonus motivateur d'énergie expérimentale. Donc c'est ça que je voyais sur la station de robotique. Et 750 simflous de plus. Mais GG mon petit Adonis, mais c'est bien. Donc nous sommes maintenant au niveau 5. Prochaine promotion, ingénieur expert. Ah c'est cool. Ça fait plaisir. Bon, tu pues. Alors, bah, tu vas aller prendre une douche, hein, évidemment. Et tu vas aller te divertir comme bon te semblera. La télévision, c'est très bien. Bravo, Adonis. Franchement, là, GG. Aujourd'hui, on a géré. On a GG. Ha ha! À bientôt, petite dragon. Des bisous. Salut, Mousselof. Comment tu vas? T'arrives au meilleur moment, Mousselof. C'est vraiment le meilleur, Adonis. Oui, on va. On verra la tête qu'auront les jumelles, hein. Après, je jugerai. Il y a encore à bouffer ou pas? Tu iras peut-être faire à manger. Oh ah pile quand je pars, elle m'a fait un paix de l'espace, cette grosse dégueulasse. Oh, j'en peux plus. Les sandwichs au fromage fondu. Ah, j'ai la dalle, rien que d'y penser. J'arrive toujours à point nommer, c'est ça. Quel niveau? Niveau 5 de la carrière. Quel humour. Ouais, je sais, t'as vu, je suis incrédible. C'est le fait. Mais tu vas aller voir quoi? Ah, son père, parce que son père, il est rentré. Non, mais viens. Tu vas manger après. T'as faim. Tu vas épicer? Parce que elle a bouffé au final. Toi, tu vas épicer aussi. Chez Bigelow. Ça remonte bien la télé, hein. Après, on l'a payé. Ah, il est beau, hein. Avec ses beaux yeux. C'est ses yeux qui m'ont fait craquer, hein. Victoire, j'ai réussi. GG, t'as tout camon. Mamboulé, mambolo, mamboulé. Oh, ils vont se faire un bisou. Oh, je m'en doutais. Trop choupite. Mais ta femme, elle vient de faire un bouffer, là, quand même. T'exagères un petit peu. Oh la vache. J'en peux plus de ces sims sans moi. Oh, le nouveau boulot. Ah ouais, super, j'ai une demande conseil. L'empathie, allez. Zamboulé, zamboulo. Zamboulé.
fait tes devoirs? Bah oui, t'as fait tes devoirs. Du coup, tu vas jouer avec émotion. Un petit croque-monsieur là, c'est ça qui m'attend après. T'iras dormir après. Elle mange, après elle ira dormir. Tout à fait. Nunu. Non, non, Nunu. Non, non, Nunu. Tu vas pipi. Tu vas chanter. Voilà. Zampolé! Oh là là, mais mon plafond, c'est du papier à cigarette. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Après il va redevenir épais. Épais comme le mur de Chine. Je dis n'importe quoi. Remettons le chat qui bug. Oh, ma pauvre. Bon, on n'entend pas chanter, mais on n'est toujours pas au niveau 9. T'es fatigué ou pas, Nunu? Tu peux m'essuyer ça, mais on n'a pas de chats qui vont faire chier. En parlant de chat, ça roupie, hein. Même Tyrion, il a pas bougé, il est pas venu. Il va être 22h déjà. Fichtre. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu veux faire un petit câlin à ta femme? Essayer de faire un bébé dans le placard? Embrasser quelqu'un langoureusement dans le placard? Oh oui! C'est un truc d'ado, ça, embrasser langoureusement dans le placard, non? Je sais pas. Tant que ça fait pas de bébé. Bah écoutez, ouais. Plus c'est le placard dans la chambre des filles. Oh. Durfna. Oh, ce rire. Le blum pop, il est de l'extérieur, tu sais. Les filles sont en train de dormir, les parents ils font des crapulades dans le placard, non mais franchement. Des chats-chats tout sages. Mais Chat. ouais, ils sont tous sages, j'avoue. La petite, elle dort à côté. Ah oui, bébé. 21,3 000, va falloir que je pense à un mot. Visage souriant. Pourquoi il s'essuie? Écoute-toi, Ah mais vous avez... il s'est même pas diverti. Eh ben alors on fait un crac-crac, hein, parce que Adonis il a besoin d'être diverti. Et hop. Puis c'est là-dessus que je vais vous quitter, moi, comme ça c'est fait. Ouais, c'est bien. Un petit crac-crac qui va bien. Regardez, Adonis, divertissement, ça va beaucoup mieux. Bon, elle a été bien, mais bon. Ils vont vite dormir là, ça va être, ils vont être réveillés très tôt le lendemain. Tu t'es occupé de tes voisins. C'est-à-dire, est-ce que je les ai tués? Non, pas encore. Salut Mimir, du coup. Papa, maman, pourquoi vous jouez dans le placard? Justement, parlant de jouets. Je montrerai un nouveau joujou à ton père. Et va te coucher, Nunu. C'est la fin de l'épisode. Allez. Oh, cette vitesse. Voilà, moi je veux enregistrer et c'est ici que je vais vous quitter le petit YouTube. Merci d'avoir. J'en doutais que quelqu'un allait faire Chantal. J'ai une gueule transparente. Bisous YouTube. J'espère que ce livre vous a plu. À bientôt. Agent 21, boule. Exactement. Donc comme ça, j'en aurai pas à vous le dire une deuxième fois. Je vous fais des très gros bisous. Merci d'avoir été là jusqu'ici pour ce live, pour cette rediff. Et je vous dis à très bientôt sur d'autres épisodes sur la chaîne. Ciao.